Bonjour, merci de m'accorder un peu de votre temps. Je voudrais vous raconter une belle histoire. C'est l'histoire de la découverte d'un jeune talent, Antoine Rouault, qui va devenir un grand auteur de fantaisie français. L'histoire, elle commence il y a presque 2 ans, en septembre 2011, quand l'un de mes principaux lecteurs, qui est un libraire, donc un homme de goût, a jeté un œil à un manuscrit que je lui ai proposé et il me dit regarde ça tout de suite, c'est de la balle, je viens à peine de commencer, mais je pense que c'est une découverte à ne pas rater. Donc je prends le manuscrit, je descends en bas de chez moi, on était un dimanche, je vais au pub et je commence à lire. Et en effet, dès le premier chapitre, je suis saisi par le bouquin. Au deuxième chapitre, je me dis ah, il sait faire ça aussi. Et au troisième, je suis ébloui par l'efficacité, par la sensibilité et par la maîtrise de ce jeune auteur. Pour un premier roman, et immédiatement, je sens que j'ai découvert quelque chose de merveilleux. C'était juste avant la foire du livre de Francfort, qui est évidemment la plus grande foire mondiale où on acquiert et on vend des droits de publication, et je venais à peine de commencer à lire ce manuscrit quand mon premier rendez-vous, qui est avec l'une des grandes maisons d'édition anglaises, eh bien, l'éditeur anglais me dit, bon, est-ce que tu as lu quelque chose récemment intéressant? Voilà, on se donne des tuyaux, on se recommande des bouquins. Et je dis, écoute, je viens de commencer à lire un roman de fantaisie français. C'est un premier roman et je pense que c'est la plus grande découverte que j'ai faite depuis 10 ans. Ce qui évidemment attire un peu son attention et il me dit, vas-y, parle-moi un peu. Et je lui pitche le bouquin et il me dit, écoute, ça a l'air vraiment formidable, je pense qu'on devrait l'acheter. Et après ce rendez-vous, donc, je cède les droits en anglais, en allemand, parce qu'il y a des enchères. Donc, plusieurs éditeurs allemands, durant la foire, font des enchères pour acheter les droits de ce bouquin, en italien, en espagnol, en hollandais et en brésilien. Et voilà, en quelques instants, en plein enthousiasme de lecture de ce manuscrit, Antoine Rouault, un jeune auteur nantais, allait devenir une grande figure mondiale de la fantaisie. Alors pourquoi est-ce que le pitch de ce roman a emballé tous ces éditeurs comme moi tout de suite? C'est parce que c'est un roman qui est, pour donner des références, entre Le Nom du Vent et L'Ange de la Nuit de Brent Weeks. C'est-à-dire que ça commence l'histoire tout simplement avec une jeune historienne qui est à la recherche de l'épée de l'empereur, un empire. S'est effondrée, a été remplacée par une république, et elle pense que l'épée, qui était une espèce d'objet symbolique et tutélaire de cette nation, ça serait bien de la récupérer. Or, elle a disparu, et la dernière personne qu'il a eue en main, c'est un vieux soldat. Et ce vieux soldat est au fond d'une taverne dans laquelle elle se rend, et elle trouve un ivrogne, un type complètement délabré, très désagréable, irascible, raciste. Évidemment, c'est une rencontre pas très agréable, et il a absolument aucune envie de donner des informations sur cette épée. Sauf que, à un moment donné, il a un geste de mauvaise humeur, et le pichet de bière qui est sur la table glisse sur la table et arrive dans ses mains tout seul. Et à ce moment-là, cette jeune femme se rend compte qu'elle n'est pas en train de parler à n'importe quel vieux soldat, elle est en train de parler à l'officier qui était le plus grand et le plus connu de l'Empire, qui s'appelait Duncadal. Et que ces officiers avaient développé une espèce de magie comme ça, un peu comme la force. Et c'est ce qu'il vient de montrer par inadvertance. Et à ce moment-là, elle est encore plus en colère, parce qu'elle dit, vous représentiez quelque chose de grand pour cette nation, et voilà, maintenant vous n'êtes plus qu'un pauvre type, un ivrogne au fond d'un bar, c'est lamentable, et elle s'en va. Et l'homme se lève, la suit, sort dans la ruelle, et lui dit, comment osez-vous me parler comme ça? Vous ne connaissez pas mon histoire. Moi, je vais vous raconter mon histoire. Et là, on voit évidemment la référence avec Le Nom du Vent, c'est-à-dire un grand personnage qui va raconter son histoire à un interlocuteur et au lecteur. Et le lendemain, il se retrouve, il commence à raconter son histoire, et là, le premier prodige de ce roman a lieu, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il raconte la toute première bataille qui a enclenché le déclin de l'Empire et une guerre civile, qui s'appelait la bataille des Salines, il raconte qu'il a été blessé et on lui a sauvé la vie. Et le garçon qui lui a sauvé la vie, c'était un garçon qui vivait dans les marais et qui lui a dit, vous allez être immobilisé là pour quelques mois, le temps que vous guérissiez. Et en échange, j'ai une faveur à vous demander, vous allez m'enseigner l'art de se battre et vous allez faire de moi un chevalier.
Et d'abord, Duncadal refuse en disant mais t'es qu'un pauvre gamin dans un marais, moi j'ai autre chose à faire, etc. Puis finalement, il n'a rien d'autre à faire, donc il finit par accepter. Et il se rend compte que le gamin est doué. Et le gamin lui dit, vous verrez, un jour je serai le plus grand chevalier que ce monde ait connu. Et dans la façon dont ce vieil homme raconte cet épisode, on se rend compte qu'en effet, une relation très forte, très belle, est née entre lui et ce jeune garçon, qu'en effet, le destin que le garçon prévoyait d'avoir, il l'a eu d'une certaine manière, mais en même temps, son récit est teinté de regrets, de tristesse, et on devine que quelque chose de terrible est arrivé, qu'on va découvrir petit à petit. Et on le découvre d'une façon absolument époustouflante. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de son récit, l'auteur glisse des phrases en italique, comme des commentaires en voix off, ou parfois des extraits de dialogue qui ne font pas partie de la scène. Et petit à petit, on se rend compte qu'on est passé dans l'histoire que raconte Duncadal, dans son souvenir, par un système de flashback extrêmement subtil et extrêmement efficace, qui va se reproduire plusieurs fois au cours de son récit dans des situations très différentes. Et la première situation qui arrive, la première situation dramatique, c'est que alors que Duncadal et la jeune historienne sont en train de se promener sur le port de Massilia, qui est la ville où se passe le récit, ils assistent à un assassinat. Les sénateurs de la République commencent à être assassinés par une mystérieuse figure habillée d'un manteau vert. Et Duncadal, sans venir la mort, devine que quelque chose va se passer, assiste à l'assassinat, et plus que ça, reconnaît l'assassin. L'assassin qui porte la défroque de l'assassin de l'empereur, qui est censé avoir disparu depuis longtemps. Et si Duncadal le reconnaît, c'est parce qu'il avait été lui-même, avant d'être un officier, l'assassin de l'empereur, qu'il avait lui-même formé l'assassin qui lui avait succédé. Et il court à sa poursuite, et au cours de cette poursuite, un deuxième flashback arrive. Et ainsi de suite, au cours de ce récit, on va découvrir les origines de ce complot, qui est cet assassin, pourquoi il frappe, qui étaient ces sénateurs, est-ce qu'eux-mêmes ont quelque chose à se reprocher, est-ce que l'assassin fait justice, ou est-ce qu'au contraire, il poursuit ses propres intérêts? Quel est le rapport avec cette rencontre entre cette historienne et Duncadal? Où est passée l'épée de l'empereur? Pourquoi est-ce qu'elle est si importante? Quelle était la relation entre cet officier et ce gamin? Et qu'est-ce qui fait que le passé aujourd'hui revient dans le présent, avec ses regrets, avec ses idéaux perdus, avec une histoire d'amour impossible, etc., etc. Et quand vous arrivez au milieu du livre, il y a une bascule, une rupture que, évidemment, je ne vais pas révéler là, où on se rend compte que tout ce qu'on nous a raconté jusque-là, il y avait un double fond, il y avait une autre perspective, un autre angle de vue, et on va nous raconter de nouveau cette histoire, mais d'une façon qu'on ne pouvait pas imaginer. C'est un roman incroyablement émouvant, très fort, très efficace, avec une structure assez unique en son genre, et voilà, qui m'a absolument ébloui. Et c'est cet embryon d'histoire, c'est ce désir de participer à ce double destin qui a emballé tous les éditeurs à l'international à qui j'ai raconté cette histoire et que vous allez pouvoir tous, amis libraires, lecteurs, blogueurs, journalistes, etc., à votre tour, découvrir au mois d'octobre. Parce que quand les éditeurs anglo-saxons ont acheté ce bouquin, ils m'ont donné une idée, ils ont dit ce livre, il faut qu'on en fasse une sortie mondiale. Puisque c'est la première fois qu'un roman français de fantasy va sortir en même temps dans toutes ces langues. C'est quelque chose qu'il faut célébrer. Donc La Voix de la colère d'Antoine Rouault aura une sortie simultanée mondiale en octobre, au moment de la Convention mondiale de fantasy. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra tous ensemble découvrir ce merveilleux talent. Et j'espère que, comme moi, tout le monde sera à la fois touché et emballé et enthousiaste de rentrer dans cette grande histoire qui est le début d'une trilogie qui s'appelle Le Livre et l'Épée. Pourquoi ça s'appelle Le Livre et l'Épée? Eh bien, ce sera à découvrir également.